La famille, aujourd'hui on est chez nous dans le Charolais. On est venu me voir avec une bête que j'apprécie tout particulièrement, une marque que j'apprécie tout particulièrement. Je dirais que là, tu as devant toi le meilleur véhicule pour une famille. Pour moi, pour une famille de 4 personnes, même 5 quelquefois, il n'y a pas mieux que ça en fait. C'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est ce que tu peux trouver de mieux pour emmener ta famille en voyage. En voyage ou en vacances, hein. Il est de 2005, donc c'est l'EcoVip 2, Leica EcoVip 2, 2005, 148 000 km. Alors il y en a, ils vont dire, ouais, ça c'est à plus de 100 000, ouais. C'est un véhicule qui est 2005, hein. Donc on est en 2022, bientôt 2023. Là, les kilomètres normaux pour un véhicule comme celui-là. Je te précise au passage que ce 2,8 litres, donc le moteur qui équipe ce véhicule, c'est un moteur qui équipe également les utilitaires, les camions Ben, les anciens Iveco comme celui-là. Enfin, on l'a trouvé dans toutes les marques, dans tous les véhicules utilitaires, et c'est un véhicule, on voit régulièrement et fréquemment des véhicules qui dépassent les 600 000 km, dans la mesure bien sûr où l'entretien a été fait. Alors encore une fois, l'entretien, il n'y a pas besoin d'aller faire un entretien énorme là-dessus. Le point principal, c'est la courroie de distribution. Si la courroie de distribution a été faite tous les 5 ans, même si tu l'as loupé, hein, que tu as passé, tu as fait 7 ans, mais que tu l'as faite, en fait, quand on achète un véhicule comme ça, il faut que la courroie de distribution soit à jour et qu'elle ait moins de 5 ans, bien sûr. Sur ce modèle, elle a été faite il y a un peu moins de 2 ans. La motorisation, donc, comme je te le disais, 127 chevaux, 2,8 litres, 127 chevaux. On est sur une boîte mécanique, bien sûr. Tout est noté, tu vois. Distribution à 132 904. Et là, on a pas 148 000 comme je te le disais, mais plutôt 144 000 et des bananes. Hein. Donc elle a été faite plusieurs fois, tu vois. Elle a été faite une première fois, c'est écrit ici. On a une alarme, hein, on le verra à l'intérieur. On a un coupe-circuit, une batterie qui est toute neuve. La plaque constructeur. C'est les feux, tu vois, on profite pour garder les feux, ben tu vois qu'ils sont même pas matés. Alors, c'était du plastique déjà à cette époque-là, hein, mais les feux sont parfaitement brillants, parfaitement transparents. J'ai rien à dire de particulier, hormis que, ben oui, le moteur n'a pas subi de karcher, donc il n'y a pas de piège, t'as pas de gras nulle part, c'est propre. On va regarder en dessous, mais là, a priori, à première vue, tout va bien pour moi. On est parti pour le petit dodo qui est de rigueur et on va tout de suite regarder sous ce... Alors il est passé au contrôle technique, on le regardera tout à l'heure. Sur ces véhicules là, c'est un véhicule qui a quand même un certain nombre d'années et forcément il y a des petits points de corrosion. Alors là on n'est pas sur des points de corrosion châssis, on est sur des points de corrosion de vis et de machin. Et ça c'est... Les contrôles techniques aujourd'hui sont obligés de les noter. Hein. Le filtre à huile est neuf, hein, donc ça sous-entend qu'il y a eu une révision très récente. On a le soufflet de cardan, on voit qu'il est tout neuf aussi. Les jambes de force qui sont neuves également. Donc les amortisseurs ont été remplacés sur ce véhicule. C'est... Pour moi, c'est impeccable.
Alors la petite corrosion ici hein, sur les pattes, ça c'est un peu logique. Hein. Là aussi un petit peu, tu vois, ça c'est normal, hein. c'est tout à fait normal pour le véhicule, je dirais que même s'il avait eu 4 ou 5 ans, ce serait déjà comme ça. Au niveau des jours, hein, tout ça, tout est impeccable, hein. La carrosserie est bien jointée, le pare-choc a été repeint, parce que forcément, hein, un véhicule de cet âge-là, ben, le pare-choc il mate un petit peu, il prend des impacts, voilà. Son propriétaire l'a fait repeindre tout simplement. Alors je te l'ai pas dit hein, tout à l'heure, mais le pare-brise n'a aucun impact en fait. Hein. Il n'y a pas une trace d'impact, il n'y a pas un éclat de rien du tout, ça c'est important. Alors sur ces modèles-là, les pare-brises, ben, on les trouve assez facilement, il n'y a pas de problème. Si ça avait été un intégral, ça a encore plus d'importance. Pareil au niveau des rétros, c'est impeccable. Au niveau des bas de caisse, c'est impeccable. Je dirais qu'en carrosserie, vraiment, il est très très propre. Les pneumatiques, on est sur du Continental et on est bien sur du CP. On est sur du CP, exactement. Et alors, comme tu peux le voir, bah, ils sont en parfait état. Hein. Ils sont neufs, voilà. Je dirais qu'il n'y a quasiment pas d'usure. Hein. Ils sont quasiment neufs. Alors, pour le fun, mais ça va servir à rien, on va regarder la date. Comme ça, ce sera informatif pour toi le jour où tu vas voir un camping-car. Voilà, on est sur 16-01, 16e semaine 2021. Voilà. Souvent, les pneus ont un an de stock chez le manufacturier. Bon, là, ils sont tout neufs. Hein. Au niveau des disques. J'en profite, j'ai les gants, c'est pareil, il n'y a pas de bordure. Hein, les disques, c'est pareil, ils ne sont pas vieux non plus. On voit la jambe de force également, là, de l'amortisseur neuf. J'en reviens à dire, hein, je préfère un véhicule qui a 144 000, que tout ça a été fait, en fait, dessus. Parce que tu vas acheter un véhicule qui a 100 000, qui a 110 000, ces frais-là ne sont pas faits encore. Hein. La plupart du temps, tu n'as pas les amortisseurs, les disques quelquefois sont d'origine, et tu te retrouves ensuite, une année après, à faire tous les frais qui ont ici déjà été faits. Ça veut dire que là, tu prends le véhicule, tu n'as rien à faire. Nous voilà sur le côté. Alors la particularité de ces véhicules, c'est également d'avoir un double plancher sympathique. Alors le double plancher, je te le rappelle, ça te donne une isolation. Tu as deux planchers, tu as une lame d'air, tu n'as pas directement tes pieds en contact avec le froid, parce que c'est vrai qu'au niveau des échanges thermiques, même si tu as une âme isolante, eh ben, tu ressens quand même le froid au niveau des pieds. Quand tu as un double plancher, tu n'as pas ce problème. Alors quelquefois, sur certains véhicules, des véhicules qui sont un peu plus bas, tu vas avoir un double plancher technique, quelquefois qui fait 10 cm, dans lequel tu ne peux pas loger grand-chose. Dans celui-ci, on a un double plancher. Je te laisse admirer, et là tu te dis, là tu peux en ranger des choses. Hein. On a un double plancher qui fait pas loin, même un peu plus de 30 cm, hein, environ 30 cm, et qui fait bah, toute cette surface hein, en fait. Après là, on a les essieux, et puis derrière on a les parties un peu techniques, hein, les réservoirs d'eau grise, etc. Donc ça, ce sera la partie dans laquelle tu vas pouvoir charger ben, toutes tes affaires, les skis éventuellement, etc. De même d'ailleurs que si tu vas au ski, tu vas avoir un engin qui va être plutôt bien isolé. Hein. On a dans ce véhicule 200 litres d'eau propre et le réservoir est ici. Ce petit réservoir, on est sur un WC nautique, donc on a environ, ça je te l'expliquerai tout à l'heure quand on sera sur les WC, mais on a une réserve d'environ 70 litres au total avant de faire de la vidange. Tu as deux réservoirs, tu as un premier réservoir qui doit faire une vingtaine de litres de mémoire, et tu en as un second qui est en dessous qui fait une cinquantaine de litres. Tu peux transvaser le premier dans le second pour éviter les remontées d'odeur. Lorsque tu as à vidanger et que tu n'as pas la place pour vidanger, eh bien tu as ce fameux réservoir qui va te permettre de transvaser tes eaux noires et d'aller les vider. Et à cet effet, tu as ce tuyau donc, qui vient se raccorder sur la sortie que je te montrerai tout à l'heure. Ici, alors ça c'était rajouté, je ne pense pas que ce soit d'origine, tu as une prise de gaz, donc sortie de gaz, pour pouvoir y brancher ton barbecue. Ça veut dire que quand tu veux faire ta cuisine dehors, tu mets ton petit barbecue et tu branches au gaz directement, tu n'as pas besoin d'avoir à trinque-baller une bouteille supplémentaire. Je te fais remarquer également que bah, déjà les vitres sont impeccables, hein, elles sont pareillées, elles sont vraiment brillantes. On dirait presque qu'elles ont été polies. Et sur le cadre, t'as pas de joint rajouté. Alors sur un Leica, tu verras jamais, jamais. C'est vraiment... témoigne dans les commentaires si éventuellement t'en as vu un une fois, mais tu verras jamais de joint là autour. Parce qu'en fait, je pense que ça vient de l'assemblage. Ça rentre jamais l'eau de ce côté-là. J'ai jamais vu quelqu'un qui refaisait l'étanchéité sur une vitre latérale d'un Leica. Ça peut arriver sur un lanterneau, mais sur une vitre latérale, sur une fenêtre, c'est très très rare. Donc là, bah, l'exception, hein, c'est voilà, y a pas de problème, tu peux y aller. Il n'y a aucun problème d'étanchéité sur les vitres tout le tour de ce camping-car.
La porte qui est juste à côté, donc c'est la porte d'accès pour le chauffage. Là, je te fais remarquer qu'on a un accès complet au chauffage et tout le tour. Très pratique si toutefois tu venais avoir un problème. On a le capot de sécurité qui est ici très accessible. Et alors en dessous, là ça c'est l'évier avec la bombe. Donc là ici tu peux nettoyer si toutefois ça venait à s'encrasser. Et ici tu as le dessous des plaques chauffantes en fait. Hein. Voilà, on verra ça ensuite. Alors son propriétaire m'expliquait qu'ici souvent quand il allait au ski, il chauffait ses gants avec une petite grille là-dessus. Il chauffait ses gants pour le lendemain matin. Une autre remarque qui a son importance, quelquefois je te fais la remarque, hein, et là c'est là qu'on voit que on réfléchit de moins en moins hein, sur les camping-cars, mais là à cette époque-là on réfléchissait quand même. Là tu ouvres ta porte, tu vois, tu ouvres ta porte, tu peux la rabattre complètement et la coller. Parce que là, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on fait des vitres à projection, parce que peut-être ça coûte moins cher ou peut-être c'est plus pratique, j'en sais rien. Donc tu te retrouves avec une vitre à projection ici, et quand tu ouvres ta porte, ben, tu la casses. Alors qu'ici, on est sur du coulissant. Ça, c'est des petits trucs cons, bêtes, qu'on ne voit pas forcément quand on achète un camping-car. Par contre, à l'usage, c'est vachement important. Là, ça va être la prise de courant 220. C'est ici que tu vas le brancher. Les portes, alors on verra la porte quand on rentrera. Hein. Je voulais juste te montrer qu'on avait un marchepied ici qui était dit de snow, hein, du temps où on faisait des vrais marchepieds. Tu vois ? Je te le remontrerai pas tout à l'heure, mais avec une jolie petite séquence donc. Hop, tu vois que là il se plie et crac, il se déplie tranquille. Et puis ben oui, je te parlerai de ça aussi, mais là ici on n'a pas le même problème que ce qu'on avait sur le camping-car d'Eva. C'est-à-dire que là on a une étanchéité quand même. Hein. Je te parlerai de la porte aussi tout à l'heure. Une autre remarque pendant qu'on y est, tous les bas de caisse sont en état. Hein, souvent quand on a un problème sur un Leica, c'est souvent au niveau des bas de caisse, du bas de la cellule, où tout ça c'est fissuré, c'est cassé, et c'est assez compliqué à retrouver quand même. Hein. Je précise aussi que son propriétaire possède ce véhicule depuis 2009. Le véhicule est sorti en 2005, il l'a acheté, il avait un peu moins de 40 000 km. Depuis ça, ben, c'est lui qui l'a utilisé, c'est lui qui l'a entretenu. Forcément, ça se ressent sur l'état du véhicule. À l'arrière du véhicule, on a un porte-vélo, quatre vélos. Toutes les parties, les angles, etc. C'est tout impeccable. On a une échelle pour monter sur le toit et c'est ce qu'on va faire ensuite. Hein. Je vais d'abord chercher mon carton et on va regarder ce qui se passe en dessous. Ce que je t'ai pas fait remarquer, c'est vrai que là, on la voit pas du haut, mais la caméra de recul est ici. Ça veut dire qu'elle est vraiment à hauteur de l'endroit où tu vas reculer. Donc c'est plutôt sympa aussi. Je vois que là, sur le pare-choc est repéré WC, eh bien la vidange WC va être ici en dessous. On a les tirettes, donc tu vois, à distance. Ça, c'est les commandes pour pouvoir vidanger. À gauche, les eaux propres. Là, il y a un truc quand même sympa, c'est qu'ici, ils avaient prévu les toilettes, donc la vidange des eaux grises, passe par la vidange la vidange des eaux noires passe par la vidange des eaux grises. Et ensuite, eh bien, tu peux rincer tes eaux noires, ton réservoir, ton bordel d'eau noire, avec les eaux grises. Les trois commandes sont ici, eau propre, eau noire, eau grise. Et alors, comme tu peux le voir en dessous, hein, on voit les cieux d'ailleurs, on voit les lames de ressort, on voit la roue de secours, on voit le plancher, tout est impeccable. Vraiment, le véhicule respire la santé là en dessous. Hein. Tu peux remarquer là, ici à l'arrière, tu as une bavette qui est d'occasion et tu as une bavette qui est neuve en fait. Alors, sur ce côté, eh ben, il manquait une bavette. Donc forcément, les projections d'eau, elles viennent plus haut. Et tu vois, il y a un revêtement hein, spécial au-dessus. Hein. En fait, le plancher, il est en bon état, il n'y a aucun problème. Mais tu vois, là ici, la couche qui vient recouvrir ce morceau de plancher, eh ben, elle est un peu flétrie, tu vois. Elle est un peu, elle a pris un peu la flotte. Hein. C'est juste pour dire que, bon alors ça, tu peux le faire ou ne pas le faire. Hein. De toute façon, maintenant, il y a la bavette, donc l'eau, elle sera plus projetée à ce niveau-là. Tu peux très bien reblaxonner ce truc-là. Ça n'enlève rien à la solidité du plancher. Il n'y a aucun problème. Le plancher n'est pas vérolé, il n'est pas pourri, rien du tout. C'est juste pour te montrer ce que peut faire comme dégâts. Imagine ça sur plusieurs années. Là, la bavette, elle a dû rester peut-être une année sans bavette ou deux. Il a pris un peu la pluie et point, tu vois. Et ça fait ça. Donc, imagine un camping-car qui n'a pas de bavette du tout, comme on le voit souvent. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est juste pour te montrer un peu, hein, pour être clair avec toi et pour te montrer tout. Voilà. Mais il n'y a aucune incidence, il n'y a aucun problème quelconque sur le plancher du véhicule. Hein, on est d'accord. C'est parti. On se fait la James Bond attitude. Alors, cette fois-ci, ça va être un peu plus sport parce que
parce qu'il y a l'échelle est plus haute, hein. Et là, forcément, avec un gros derrière, on va monter là, et on va monter, tu vois, là je mérite vraiment, là je mérite vraiment un rôle de James Bond. Voilà un toit qui fait plaisir. Regarde ça comme il est propre. On a donc nos lanterneaux, hein, on a le grand lanterneau un peu plus grand à l'avant, on a celui de la capucine, on a ces deux-ci, donc hein, là il doit y avoir un pour la salle de bain, et ça c'est certainement pour le lit. Le panneau, alors le panneau c'est 75 ou 80 watts, hein, pas plus, c'est un petit panneau, et alors ce que tu peux voir au milieu, c'est qu'on a un rafraîchisseur d'air. Alors ça c'est super, pourquoi c'est super le rafraîchisseur d'air? Parce qu'en fait, ça tape dans le 12 volts, ça tape pas dans le 220. Donc tu peux très bien utiliser le rafraîchisseur d'air sur tes batteries en fait. Et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour moi, rien à dire, hein. Là c'est vraiment nickel, c'est vraiment très très propre. Franchement, pour un véhicule de cet âge-là, on voit que c'est un véhicule qui dort à l'abri en fait, hein, et ça se voit. Hein. C'est plus facile pour descendre. Ça vient se soulever et fermer l'espace. Ça vient fermer cet espace et du coup ça te fait un garage, tu vois. Alors tu vas pas y monter un scooter, hein. Par contre, faut pas exagérer non plus, une petite moto, un petit truc léger, mais tu peux pas non plus y monter des choses trop lourdes. Hein. C'est quand même pas mal, et là tu vois, ils ont plastifié le fond, hein, pour que les choses elles viennent pas cogner dans le bois, c'est plutôt bien foutu, et là on va retrouver la manivelle du store, donc, hein, puisque je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un store, on peut voir aussi les détecteurs pour l'alarme, hein, les détecteurs d'ouverture. Je vais préciser une petite chose, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien ouvrir ces portes-là, c'est que les charnières sont aussi au-dessus, tu vois. C'est là, les charnières. Souvent, quand on rencontre un petit problème sur un Leica au niveau de l'étanchéité, alors ça, c'est pas vraiment... Ça va pas mettre à mal la structure, mais souvent, l'eau passe par les charnières, en fait, par les vis, et ça finit par gonfler la porte. Et au moment où tu la fermes, ben, elle se ferme pas comme ça, hein. Ça frotte en fait, parce que la porte a gonflé. Voilà, donc on peut fermer cette porte sans aucun problème, et ça jointe, tu vois, on a l'espace nécessaire tout le tour, ça vient pas frotter. Je te fais remarquer également qu'on a deux fenêtres, hein. On a une fenêtre par lit bien sûr, hein. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, chaque enfant a sa fenêtre avec sa moustiquaire, ses occultants, on verra ça à l'intérieur. De ce côté, eh bien, on a la deuxième entrée de double plancher, tu vois, celle-ci est moins large. Hein. Et à chaque fois, on a une double porte, hein. Tu as le bas de carrosserie et puis tu as une deuxième porte étanche à l'intérieur avec un joint pour éviter que l'eau rentre dedans. Hein. Le coffre à gaz ventilé, la porte est plastifiée à l'intérieur et on a un système de gaz à l'ancienne. On a le niveau des bouteilles. On a deux entrées, alors on n'a pas le dual control, peut-être que c'est peut-être une amélioration que tu peux faire, changer les lires et puis changer le détendeur, ça fonctionne très bien, hein. Le système du dual control avec ces deux sécurités, qu'est-ce qu'il fait en cas de rupture du tuyau? Eh bien il va couper les deux côtés, donc ça ne peut pas sortir ni d'un côté ni de l'autre. Je te fais remarquer autre chose, pourquoi on a peu de problèmes sur les structures Leica, c'est que tu vois, tout est à recouvrement. Tous les angles sont recouverts en fait. Hein, comme là ici tu peux voir, il y a un gros recouvrement. La capucine vient carrément faire le dessus en fait. Hein. Ça vient mordre sur la cellule. Et ensuite tous les angles de la cellule sont... C'est des profilés. Hein, c'est des profilés. L'eau ne peut pas rentrer en fait. Elle ne peut pas rentrer dans la jonction des deux panneaux. À l'intérieur d'un véhicule comme ça, comment ça se passe? Ça, je le connais, l'implantation, je la connais très bien, parce qu'en fait, mon premier camping-car, c'était un Leica Creos 3002. C'était exactement la même implantation, le même coloris de mobilier. La différence, c'était le châssis, puisque sur le 3002, tu avais un châssis Iveco. On va avoir une moustiquaire, donc, alors elle est légèrement abîmée. Là, hein. Malheureusement, c'est le problème de ces moustiquaires, c'est qu'elles vieillissent pas bien. Donc je pense que là, tu auras certainement à refaire la moustiquaire qui est ici. Donc dans la contreporte, hein, ce qui te sert de moustiquaire, là on a quand même encore ce bac, souvent ce bac est manquant aussi. Ben oui, peut-être que tu auras à refaire la moustiquaire qui est ici. Hein. Voilà, ça vient se détacher et ça te fait... La moustiquaire, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait des moustiquaires coulissantes. Bon, on a une porte à ouverture classique, alors par contre, c'est une porte un seul point, mais c'est des portes type automobile. Hein. Donc quand on les ferme, tu vois, ça fait le bruit d'une voiture en fait, ça fait pas le bruit d'un camping-car. Bah, comme le Franquin, il faut dire ce qui est, quand tu fermes la porte, ça fait pas du tout, c'est pas du tout la même chose. On est sur une serrure de point, mais c'est beaucoup moins rigide que cette porte-là. 7 mètres
par 2,35, un petit peu comme tous les camping-cars, par 3,10 m de haut. Ce que tu remarques tout de suite, et ça, c'est à chaque fois on fait le même constat, on a encore fait un véhicule avec Eva, et on se dit, mais comment à l'époque ils arrivaient à faire autant de rangements, des véhicules aussi bien conçus, avec autant de place et autant de sensations de volume en fait. Ce qu'on voit plus aujourd'hui, aujourd'hui tout est assez étriqué, c'est vrai qu'on essaie d'avoir le plus de rangement possible, mais on n'a pas foncièrement plus de rangement qu'ici, et malgré tout, on sent que tout est très tassé. Là on est sur quelque chose de très spacieux en fait. Hein. Poste de conduite, et bien poste de conduite, on est sur les anciens postes de conduite Fiat, qui étaient de très très bonne qualité, ça a vieilli très très bien en fait. Hein. Tout est vraiment très propre. On a donc le marchepied et le détecteur. En fait, tu as deux détecteurs. Tu as le détecteur de la malle du coffre ouvert et tu as le détecteur du marchepied. Le marchepied, en appuyant ici, eh ben, tu peux le rentrer du poste de conduite. Hein. Un petit autoradio, bon, Alpine avec une prise USB. Le chauffage, donc le chauffage, ben, y a le chauffage en roulant. Hein. Ça, c'est le bouton pour chauffer à l'arrière, en fait. Et ça, le chauffage en roulant, ça utilise le refroidissement du moteur, hein, comme pour ton chauffage route. Donc, il y a un radiateur à l'arrière avec un ventilateur et ça vient souffler du chaud à l'arrière pour que tout le monde soit bien au chaud. Hein. Le volant était déjà réglable en hauteur, hein, ici, on peut le voir là. Une petite boîte à gants, une boîte à gants ici qui n'est pas cassée, tu vois. Les vitres électriques. Bon, la clim, là, c'était pas encore de rigueur là-dessus. Hein. Donc, la clim est venue beaucoup plus tard sur les véhicules. Et à cette époque-là, c'était plutôt rare. Hein. Je te fais remarquer également que les tissus d'origine Laika sont impeccables. Hein. Franchement, c'est très propre. Alors là, il y a une assise. Ça, c'est une housse. Et ça, c'est la couleur des sièges d'origine. Et on a la moquette au sol, bien sûr. Hein. La moquette d'origine Laika également, tu vois. Ecovip. Donc on peut voir aussi, et ça c'est un signe de soin particulier qui a été apporté à ce véhicule, c'est que les moquettes d'origine sont en état et elles sont dans tout le véhicule. Ça, c'est ta caméra de recul en fait, elle est dans le rétroviseur, au moment où tu passes la marche arrière, et bien tu vas avoir la vision sur l'arrière par la caméra que je t'ai montré tout à l'heure. Ce camping-car qui est en 3,5 tonnes est un 5 places carte grise, mais tu as 6 ceintures. Il est en 5 places carte grise. Voilà, donc 5 places carte grise, bah, il faut les couchages en rapport. Donc, tu as deux couchages ici, tu as deux couchages qu'on verra au fond tout à l'heure. Donc ça, c'est 4 couchages fixes. Et ensuite, tu as le couchage de la dinette qu'on verra tout à l'heure, hein, une dinette double et une dinette simple. Ça veut dire que là, tu as 3 couchages en plus. Donc tu peux dormir à 7 personnes. S'il y a un autostoppeur qui passe dans le coin, bah, tu peux le loger. Alors le lit capucine, le propre d'un Laika, c'est cette énorme capucine. Elle est vraiment énorme. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, j'en avais filmé un et je m'étais assis ici et là je tiens debout sans avoir à courber la tête. Et ça, c'est assez rare. Hein, c'est, tu vois, elle est toute carrossée, toute isolée. Elle ne touche pas le sol, les côtés, tu vois. Il y a à chaque fois des pièces. Voilà, des rangements qui permettent au matelas de rester contre mais de ne pas toucher la paroi, ce qui fait qu'on n'a pas de condensation et en plus elle est chauffée. Voilà, tu vois, elle est chauffée la capucine. Hein. Et à chaque fois tu vas avoir les plafonniers, hein, les petites liseuses. Tu as des rangements ici au-dessus également, tu vois, avec un petit filet là. Donc tu peux ranger des choses des deux côtés. C'est vraiment bien foutu et il y a un rideau qui vient occulter l'ensemble pour que tu sois à l'abri des regards si tu veux dormir tranquille. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça, tu vois. Ça, c'était électrique aussi, sur tous les Laika hein, de ces années-là, les Ecovip comme les Kreos, il y avait le lanterneau électrique. Alors là, je suis entre les deux dinettes. Donc, sur les dinettes, ça, je te montrerai ça après, hein, tu as les deux parties qui s'écartent ici, hein, sur les deux banquettes. Et quand ça s'écarte, la table, elle vient descendre, et là, tu fais ton premier couchage. Et ici, bah, la table, elle vient tout simplement se poser sur des petits renforts qui sont là, tu vois, et du coup, ça te fait un lit complet, hein, un lit d'une personne, et là, on va avoir un rangement, encore une fois, dans lequel on peut loger, par exemple, des pantoufles. On voit les sorties de chauffage de partout. Ça, c'est le chauffage route dont je te parlais tout à l'heure. Donc, il vient chauffer les pieds, il vient chauffer l'ensemble. Hein. Tout le véhicule est sur sa moquette d'origine. Et en dessous, on a un revêtement
qui est gris, le lino. Alors on va soulever pour te montrer, tu vois, voilà, c'est gris, ça vieillit très très bien. Et mais bon, voilà, si tu veux avoir chaud aux pieds, ben t'as la moquette d'origine, elle est en parfait état. Voilà, nous voilà donc dans les deux dinettes. Alors la double dinette, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très populaire en Italie d'ailleurs. On voyait quasiment que des véhicules comme ça, deux dinettes. Ben t'as une dinette 4 personnes et une dinette 2 personnes. On suppose que tu voyages à 4, tu travailles avec ton ordinateur, tu le laisses sur cette tablette là, et puis ici tu peux manger. Si tes enfants font leurs devoirs, et ben ils ont une place attitrée. Alors j'insiste aussi sur le fait que cette dinette là, au moment où tu as descendu la table pour faire un lit, et bien tu as des dossiers. Les coussins sont ici et ils viennent faire un dossier avec les coussins qui sont ici pour faire un canapé. Hein, ça veut dire que ça se transforme un petit peu en canapé, en effet, en sofa, si toutefois tu veux avoir une autre utilité de cette partie. Tu vois, là c'est mode canapé, tu vois. Donc ça te fait ouais, une banquette tranquille, si tu veux te reposer, chiller, lire, etc. Tu peux asseoir 3 personnes, tu vois. Ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et la table là, elle se déplace, hein. Tu peux la mettre un petit peu au milieu, tu vois, pour que les gens ils puissent un apéritif, ben oui, tu as 7 là, tranquille. Hein. Alors, les occultants, ben, on va profiter pour les fermer, parce que sinon on voit rien. Tout est fonctionnel. On va avoir des petits éclairages ici, tu vois. Voilà, pour la dinette. Derrière moi, de ce côté, le chauffage, la commande du chauffage, hein. La commande du trauma, on voit les ceintures également. Et ensuite, des rangements. Et alors là, les rangements, là, je te prie de croire que là, tu es farci de rangements. Il y en a partout, vraiment. C'est vraiment un véhicule qui est prêt à accueillir une famille. Hein. Il n'y a pas de problème. Pour ça, là, chacun fait son placard. On a une petite étagère pour pouvoir mettre éventuellement des télécommandes, des babioles, des livres, etc. Il est à préciser aussi que sous les banquettes, sous les deux banquettes, là, ici, d'ailleurs, sous les deux banquettes, là, sur celle-ci, sur celle qui est derrière toi, il y a le coffre à gaz, mais il y en a une ici aussi. Sous les 3 banquettes, tu ranges les affaires, en fait. Hein. Là, tu peux ranger, par exemple, les draps, tu peux ranger tout ce qui est un peu les affaires d'hiver, si tu es en été. Tu peux vraiment emmener un maximum de choses, largement au-dessus de tout ce qui est autorisé. Hein. Deuxième dinette, donc ça, c'est la dinette que tu peux transformer en canapé. Au-dessus, on a la même chose, hein, je ne vais pas te remontrer. On a une petite étagère et on a encore 3 armoires. Trois placards comme de l'autre côté pour pouvoir ranger tout ce que tu veux. Ce côté, ben d'origine, il y avait l'emplacement de la télé, donc forcément à l'intérieur il y a un passage pour les câbles éventuellement, parce qu'il y avait une antenne à l'origine, c'est une antenne avec un mât qui a été rebouché dans le compartiment télé. Donc tu as la connectique, hein, tu as la prise 12 volts et tu as une prise d'antenne. Tu sais ce que je pense, moi, des antennes télé, des antennes paraboliques, etc. Je lui préfère avantageusement une antenne 4G, un routeur et tout simplement travailler en partage de connexion avec une Chromecast. C'est beaucoup plus économique et beaucoup plus efficace. Alors ce camping-car est tellement lumineux que je bataille avec les contre-jours. Hein. Je dois t'avouer qu'il y a tellement de lumière dans ce véhicule, il est tellement, tellement lumineux que oui, en effet, je suis toujours obligé de positionner ma caméra d'une manière différente parce que j'arrive pas à tout filmer en un seul coup. Hein. On a un autre rangement ici, on va voir ce que c'est, on va le découvrir ensemble. Et ben, c'est un rangement, une étagère tout simple. Hein. À l'intérieur, donc c'est des étagères. Hein. On a une étagère ici, une étagère en bas, ça permet encore de ranger. Par exemple, tu pourrais supprimer cette étagère qui me semble a été rajoutée et mettre ta machine à café par exemple, tu vois, ça serait une place qui serait tout à fait appropriée pour ça. J'ai oublié de te dire aussi que de ce côté on a un détecteur de gaz, hein. En fait là dessus on a le détecteur de gaz, on a l'alarme avec tous les petits contacts que tu as partout sur toutes les ouvertures, tu es sécurisé, on va dire. Nous voilà dans la partie, donc là tu as la porte d'entrée, hein. Donc on vient juste là, quand tu rentres c'est la première chose que tu vois. Tu as donc la kitchenette, la petite cuisine en L, plaque 3 feux avec le piezo. Alors il y a la plaque, tu vois, qui vient là pour éviter les projections. C'est plus pratique sans les gants. Petit plan de travail sur lequel tu as un petit peu de place. Tu as des petites planches à découper, tu vois. Ici, donc, le lavabo en inox avec la planche à découper d'origine. Le petit robinet qui vient se rabattre dedans. Alors, pareil, à chaque fois, on a une petite plaque en verre pour pouvoir recouvrir pour que ça te fasse un grand...
plan de travail. Hein. Et ensuite, eh ben, voilà, on va avoir les ouvrants, donc les ouvertures. Donc là, pour les couverts, alors c'est tout est costaud là-dessus. Hein. Ici, tu as un grand placard assez profond avec les robinets pour le gaz, hein, en cas de sécurité. Là, c'est l'accès directement au chauffage. Ça vient te chauffer l'habitacle également. Ici, un grand placard avec un range-bouteille très profond, tu vois. Et là, tu as accès également au siphon. Comme on est sur le lavabo, là, ici, c'est dessous le lavabo. Ben, ça, c'est une plaque qui sert à rien, bien sûr. Hein. Deux grands placards, le régulateur solaire hein, pour le petit panneau solaire. Et à chaque fois, tu vois, on a des petites barres d'aluminium pour pouvoir, pour éviter que tout te tombe dessus au moment où tu ouvres. Hein. Et là, à chaque fois, encore une fois, des petits casiers, des petites étagères. Au-dessus de la porte, eh bien, on a le panneau Laïka qui est plutôt bien foutu. Tu as la température intérieure, température extérieure. Voilà, là, il fait 12 dehors et 15 dedans. Hein. Il fait pas trop froid, là, aujourd'hui. Hein. J'ai des gants, mais il fait pas trop froid. Tu peux allumer, éteindre la pompe, hein, la lumière à l'extérieur, éteindre le panneau, éteindre l'auxiliaire, tester, enfin, tu vois, les batteries, etc. Ici, tu gères un petit peu tout le camping-car. Sur le côté de la porte, eh bien, on va avoir déjà, tout de suite, à ta gauche, donc, hein, au moment où tu rentres, une étagère pour pouvoir poser tes manteaux. Donc étagère assez profonde et qui est éclairée. Au-dessus, on va avoir un rangement. En fait, on a des rangements partout là-dessus. Et on a un rangement ici en bas. Voilà, on a un rangement ici en bas dans lequel tu peux loger des chaussures, par exemple. Tout de suite à côté de ces fameux placards, eh bien ici, et c'est ça vraiment qui est super sympa sur ce véhicule, c'est qu'on a la salle d'eau. La salle d'eau, c'est très propre. Hein. On a deux bacs, en fait. C'est tout plastifié par terre, donc c'est assez facile d'entretien. On va avoir le lavabo, les toilettes, donc toilettes nautiques. Hein. Donc, comme je te l'ai expliqué, il y a deux compartiments. Tu as le premier compartiment qui va faire une vingtaine de litres et le deuxième compartiment qui fait 50 litres. Ça te permet de transvaser les compartiments pour éviter les odeurs. Grand miroir, tu vois, avec une petite prise 12 volts pour le rasoir éventuellement, des petits placards pour ranger les produits, un sèche-serviette qui s'étend. Hein. Donc quand tu laves du linge, tu peux laver ton linge également ici. Et là, tu vois, on a une fenêtre. Ça te permet d'aérer aussi l'espace et puis d'avoir une vision sur l'extérieur qui est plutôt sympathique. Et alors la douche, eh bien la douche, c'est ici, tu vois. Voilà, tu replies la cloison et regarde, on a une petite douche ronde, très pratique. Alors, moi, je rentre parfaitement dedans. J'y ai pris la douche pendant quelques temps, au moment où j'avais le véhicule, hein, le Laïka. C'est exactement la même douche. On a beaucoup de place, elle est ronde, elle est bien étudiée, avec des rangements pour les savons, etc. C'est plutôt pratique. Et alors, oui, dernier point que je t'ai pas raconté, c'est que là, on a des bacs aussi sur la porte, en fait, avec un porte-serviette ou un porte-vêtements, comme tu le veux. Alors ici, on est face à la cuisine, hein, face à la porte d'entrée. Là, t'es à l'entrée, là, tu vois. Un four, le four. Il y a une petite sécurité ici, et voilà. Et quand tu le vois, le four, bah le four, il a pas servi beaucoup, le four. Hein. Il est impeccable, le four. Hein. Ici, au-dessus, on a donc une étagère. Et là, au fond, tu as la ventilation du frigo. Ça veut dire que l'été, si tu désires que ton frigo fasse plus de froid parce qu'il fait très chaud, il est ventilé. On est sur un frigo Dometic Trimix. Sensiblement la même chose que ce que moi, je vais avoir dans le Francia, par exemple. Mais avec des portes droites. Hein, un système de verrouillage qui pète pas à tous les 10 minutes. Hein, voilà. Donc, le frigo est impeccable, hein, comme tu peux le voir. Il est gris, un petit peu oxydé. Ça, c'est ce qu'on retrouve un peu sur tous les frigos de ces années-là. C'est un peu logique. Hein. Il y a la condensation. Un frigo, ben, quand tu l'éteins, il y a toujours un peu d'humidité. Et forcément, les grilles finissent par s'oxyder légèrement, très légèrement. Hein. Ici, on va se retrouver encore avec une jolie étagère, tu vois. Une jolie étagère, une jolie penderie. Hein. Ça te fait une penderie à l'entrée, ça te fait une penderie ici. Donc, c'est pas seulement un véhicule qui est équipé, qui est fait pour 5 places carte grise, c'est également un véhicule qui peut accueillir vraiment 5 personnes en ayant tout le rangement dont tu as besoin. Hein. On va avoir ensuite ici des petits tiroirs. Alors là, tu peux en faire chacun. Voilà, encore un tiroir. Encore. Alors là on n'est pas sur un tiroir. Là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a les blocages pour le gaz, hein, les sécurités pour le gaz, pour couper le gaz, mais on a également un robinet. Une vanne, parce qu'en fait, sur ce véhicule, tu as deux réservoirs et c'est pour passer d'un réservoir à l'autre. Il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire et qu'on m'a rappelé, c'est que sur ce véhicule, le chauffage est programmable.
par le biais du panneau de contrôle, tu peux dire, par exemple, je veux qu'à 18h, le chauffage se mette en route. Et comme ça, quand tu rentres, ben, t'es chez toi, il fait chaud. Ça, c'était plutôt astucieux. Je pense pas que ce soit quelque chose de très, très compliqué à mettre en œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, il pourrait le faire. Alors, sur le mien, par exemple, je peux le programmer. Mais bon, on a, voilà, on est sur un Aldé quand même. Hein. Le clou du spectacle, c'est les lits superposé, puisque là vraiment quand on achète un véhicule comme ça, c'est principalement parce qu'on a ce type de lit, hein, parce que c'est très pratique, et c'est des lits superposés qui sont pas faits que pour les enfants, puisque on a 2m10 de literie. Donc même si tu as des adultes qui veulent dormir là-dedans, il n'y a aucun problème. Très profond, tu as un petit rangement au fond. Alors ça, c'est vraiment le petit côté, tu vois, pour les enfants. Tu as un petit occultant, un petit rideau que tu peux fermer. Tu peux y accrocher des choses ici pour fixer ses jouets, etc. Chaque enfant se retrouve vraiment dans son espace et c'est vraiment là le point fort de ce véhicule. Et le lit inférieur, donc comme je te le disais, eh ben, il peut servir en même temps de soute. Hein. Ça veut dire que si t'as pas, vous n'êtes pas à dormir là-dedans, et ben tu peux très bien relever le sommier pour pouvoir en faire une soute. Voilà. Alors ici, tu vois, bon là, on n'a pas le rangement au fond, bien sûr, hein, parce qu'on peut pas l'avoir partout, mais tu vois, ça fait aussi le même couchage de 2m10 de long. Hein. Avec ce véhicule, t'as ça. Ça, c'est toute la documentation. Hein. T'as toute la documentation sur le tableau électrique, surtout toute la documentation d'origine complète. T'as un dossier avec toutes les factures, le contrôle technique, etc. Alors, le contrôle technique, je vais t'en parler tout de suite parce que, en fait, son propriétaire a fait le contrôle technique juste avant, il y a quelques jours en fait. Hein. Qu'est-ce que dit le contrôle technique? Il parle de corrosion, hein, forcément, un petit peu sur le berceau, on a pu le voir un petit peu. C'est, en fait, aujourd'hui, le contrôle technique, qu'est-ce qu'il fait? Si tu as une corrosion qui passe pas, hein, qui est perforante, hein, ben, le véhicule passe pas au contrôle, tout simplement. Et là, ce sera plus une défaillance mineure, ce sera une défaillance majeure. Sur quasiment tous les véhicules de cet âge-là, on a un peu de corrosion. On a un petit peu de corrosion. Le tuyau d'échappement aussi, tu as pu le voir, il est légèrement, mais très légèrement en fait. Hein. Et aujourd'hui, il se couvre et il note tout, hein. Ce qui est logique. Hein. Donc, on n'a rien d'autre que ça en fait. Tout le reste, les amortisseurs sont neufs, tout a été fait en fait. Hein. Tout a été entretenu régulièrement. Donc, on n'a pas d'autre problème qu'une corrosion superficielle
sur quelques organes, les visseries, les petites pièces en métal plein, bah oui, forcément, avec l'âge du véhicule, c'est un peu normal. Hein. Pour moi, ce camping-car, alors il y a aussi un truc que je t'ai pas signalé, c'est qu'ici il y a un petit coup, un petit impact sur la table. Hein, il y a quelque chose qui est tombé du haut et c'est venu taper un peu dans la table, c'est tout. Ces véhicules, je t'en ai pas présenté beaucoup. Le peu que je t'ai présenté, ben, ils se sont vendus très très vite et souvent à des prix qui vont être bien, bien supérieurs à celui que je vais te donner aujourd'hui. Si tu fais une recherche sur ce type de véhicule sur le marché de l'occasion, il n'y en a pas. T'as des plus vieux, j'en ai vu quelques-uns plus vieux, du Creos introuvable, du Leica Ecovip 2 aujourd'hui, ça devient un produit qui est très très rare sur le marché et très difficile à avoir. Ça veut dire qu'au moment où tu en mets en annonce, bah, la plupart du temps, il est vendu très rapidement. Je te rappelle que c'est un véhicule qui est de 2005, à un peu, tout petit peu plus de 144 000 km. Je reviendrai encore une fois là-dessus parce qu'il y a des gens, quand ça dépasse 100 000, ils ont du mal. T'as vraiment aucun souci à te faire en fait. Hein. C'est 143 000, 144 000 km, il va en faire au moins 3 fois ou 4 fois ce kilométrage-là. Alors, dans une motorisation, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme problème tu peux avoir un problème d'alternateur, tu peux avoir un problème de démarreur. Comme là, par exemple, il a refait faire le soufflet de cardan. Voilà, ça c'est de l'entretien courant. Après, concernant le moteur en lui-même, il te faut faire la distribution tous les 5 ans. Il te faut bien surveiller si toutefois la courroie d'accès soir commence à siffler, retends là, hein, ne tente pas le diable parce qu'elle est juste à côté de la distribution. À part ça, c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre en fait. C'est un véhicule, ce moteur, c'est du béton. C'est un moteur qui est fait pour des véhicules utilitaires, pour des petits camions ben, pour des véhicules qui sont souvent maltraités. Et c'est pas du tout le cas de celui-là. Hein. Donc tu peux y aller les yeux fermés. À combien on va te proposer ce véhicule? Le prix du marché aujourd'hui sur un Ecovip 2, tu vas les trouver entre 34, je dirais, et pour certains modèles de 2010, on en a vu à 42, 44, 45. C'est ça les prix aujourd'hui. Hein. Nous, on ne va pas arriver à tout ça. Hein, son propriétaire veut le vendre. On va te le vendre à 29 000 euros, qui veut dire que c'est globalement... 5 000 euros de plus que le camping-car d'Eva qui est de 2000, hein, qu'on a vendu 24. Je peux pas te dire mieux, ça, pour moi c'est une excellente affaire, c'est vraiment un véhicule, si c'est ce que tu cherches, faut pas passer à côté. On va procéder comme d'habitude, hein. Tu as l'adresse mail, et tu m'écris un mail, le premier arrivé, premier servi, il faut bien sûr que tu aies les moyens. Là si tu demandes un prêt sur un véhicule de cet âge-là, de 2005, il y a de fortes chances, à moins que tu sois très très bien avec ton banquier et que tu aies un bon apport, il y a de fortes chances qu'ils te disent non, hein, je te le dis. Ce qui serait bien quand même, c'est que tu aies ce qu'il faut pour pouvoir le payer en fait. Hein. Toutes les cartes sont dans tes mains, si toutefois tu as pour projet et que c'est pas pour tout de suite, c'était pour le printemps, ben oui, si ce véhicule-là, on le met en vente au printemps, il est clair qu'on il s'approchera des 35 000, hein, voilà, entre 33 et 35, sans problème en fait. Et il partira, tu mets l'annonce un jour, le lendemain, il est parti. À toi de jouer, ciao ciao, à tout bientôt.